Bonjour! Il n'est pas très facile de savoir ce qu'on peut mettre dans son composteur, alors je vous propose un petit tour d'horizon des déchets acceptés ou refusés. Dans votre composteur, vous pouvez mettre des déchets dits humides qui proviennent de votre cuisine. Les épluchures de fruits et légumes, ainsi que les agrumes, contrairement aux idées reçues, les marcs de café, les sachets de thé, ou encore tous vos restes alimentaires comme les pâtes, le pain, les produits laitiers. Attention, si vous jetez dans votre composteur de la viande ou du poisson, pensez à bien les enfouir pour éviter les nuisibles tels que les rongeurs. Pensez aussi pour les coquilles d'œufs à bien les émietter pour faciliter leur décomposition. Votre composteur aime aussi la matière humide issue de votre jardin. Les plantes et fleurs fanées, les restes de votre récolte de votre potager ou encore les tombes de pelouse en petite quantité. Pour un bon équilibre de votre compost, vous pouvez aussi jeter des matières dites sèches. De l'essuie-tout, des cendres refroidies, des papiers et serviettes non imprimés, des boîtes d'œufs et cartons bruns non imprimés qu'il faudra découper impérativement en petits morceaux, des feuilles mortes bien sèches, de la paille et du broyat, et des branchages coupés en petits tronçons. Bien évidemment, on ne jette pas tout au compost, certaines matières mettent trop de temps à se décomposer. Comme les os, les arêtes et les noyaux, bien trop durs, les coques de fruits de mer, les graisses et huiles, les papiers de couleur ou glacés, et sans oublier, mais ça vous le savez déjà, les déchets non organiques comme le plastique, le verre ou les métaux. Maintenant vous savez tout, plus d'erreurs possibles, tous au compost !